Il y a toujours un avant et un après mes stages. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pourront vous le dire en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Pourquoi je fais ce message? Parce que je vous invite à mon prochain stage carnet d'œil qui aura lieu à Metz fin juin, qui est ouvert à toutes les personnes qui vivent la perte d'un être cher. Ce stage, comment il va se dérouler? En fait, vous allez réaliser un carnet d'œil. Si vous avez envie de vous apaiser avec des techniques ludiques et artistiques et pas besoin d'être un artiste ou une artiste, si vous avez envie de rendre hommage aussi à la personne qui n'est plus là, si vous avez envie de rencontrer, de connecter, voire même, comme ça arrive toujours, de devenir ami avec des personnes qui vivent un deuil et qui sont bien décidées à retrouver leur joie de vivre, eh bien ce stage est pour vous. On va revisiter de façon très méthodique toutes les émotions du deuil. Faire d'abord un état de votre deuil, revisiter la colère, la tristesse, la culpabilité et ouvrir sur l'avenir. On va utiliser des techniques de collage, des techniques de peinture acrylique et des techniques d'écriture. Et sur l'écriture, vous allez voir que vous aussi, vous êtes capable de sortir plein de choses, d'écrire plein de choses, parce que ces techniques sont complètement adaptées pour débloquer ce qui nous freine à écrire. Donc toutes les personnes qui viennent dans mes stages réussissent, et on passe pas le bac, mais à écrire, à produire. Et elles me disent toutes que c'est vraiment un outil puissant et apaisant. Bien sûr, sur ces journées, on va partager du temps ensemble, pas seulement en atelier, ici. On va partager aussi des temps de repas ensemble, midi et soir. On va pouvoir échanger, discuter. Moi, j'ai hâte de faire tous votre connaissance. On est en petit groupe de 6. Il y a déjà 4 personnes qui sont inscrites. Michel, Amélie, Emmanuel et Suzy qui viennent des 4 coins de la France. Donc, il reste encore 2 places. Au niveau logistique, ne me dites pas que c'est trop loin. Je ne veux pas lire ça parce que ça, c'est vos peurs qui parlent. Moi, je suis à 10 minutes à pied de la gare de Metz. Je me charge de réserver les lieux où on va déjeuner. Je vous envoie des coordonnées d'Airbnb, d'hôtels qui sont vraiment à proximité. Et on réalise aussi tous ensemble une visio, une réunion préparatoire en visio pour faire connaissance déjà avec le groupe et puis pour organiser encore plus la logistique. Et moi, je fournis tout le matériel. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de matériel. Vous prenez juste vos affaires personnelles. Moi, je fournis vraiment tout pour le stage. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien d'inscription. Prenez contact aussi avec moi pour qu'on discute, en fait, qu'on fasse une visio ensemble sur Zoom pour faire connaissance. Il y a peut-être d'autres questions que vous avez peut-être des appréhensions, vous vous sentez appelé par ça. Mais vous vous demandez un peu comment ça pourrait se passer, si c'est adapté pour vous aussi. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien aussi pour une séance Yello gratuite de 30 minutes pour qu'on puisse échanger sur ce stage. C'est le 28, 29 et 30 juin à Metz, dans l'Est de la France. Et le café vous attend déjà, messieurs, dames. Donc, je serai ravie de partager ces 3 jours avec vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à bientôt, bisous, ciao !